Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nang's Reborn. J'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, que vos familles se portent à merveille, franchement, glory to God, Dieu merci. Cette histoire que nous allons rencontrer ici, ça donne froid dans le dos. C'est une histoire tragique. Il y a eu des morts. Une famille était en déplacement lorsque cet accident mortel est arrivé. RIP. Ça, c'est un truc de ouf. Ah! Quand vous le voyez à l'écran, c'est vraiment triste, cette histoire. C'est une femme qui venait de se marier. Elle s'est mariée en décembre 2020. Et apparemment, elle était admise maintenant à la fonction publique. Elle est juste décédée comme ça, alors qu'elle allait rencontrer sa belle famille. On lui dit au total 4 morts. Aïe, 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 vraiment, c'est triste. Elle est décédée avec ses deux belles sœurs et sa fille. Là, son époux a été évacué. Et il est dans un état critique. Ah! Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis tombé sur cette histoire il y a quelques heures. J'avais du mal à y croire. Je me suis dit, mais waouh! Il faut que je vous en parle afin que vous me dites ce que vous en pensez. La fille, elle allait voir ses deuxièmes parents parce qu'elle venait de se marier et tout ça. Il y avait beaucoup de monde dans le véhicule lorsque l'accident a eu lieu. Qui pouvait s'imaginer cela? Qui pouvait s'imaginer ça? C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, chaque jour, avant de sortir, priez. Avant de vous endormir, priez. Ne soyez pas distraire. Ne soyez resté toujours concentré, on ne sait jamais. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde de beaucoup de choses. Vous ne savez pas où sont vos ennemis. Ça, la plupart des gens ne pensent pas qu'ils ont des ennemis. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui sont là, dehors, en train de prier pour que lorsque vous sortiez de vos maisons, vous ne rentrez pas à la nuit. Alors que vous ne les avez rien fait. Mais comme ils sont possédés par les démons, ils font des mauvaises prières contre vous. Si Dieu n'est pas avec vous, qu'est-ce que vous allez faire? L'homme est fait pour avoir longue vie. Oui, vivre heureux. Ou bien le mariage de la femme, c'est un problème avec quelqu'un. Ou bien le fait qu'elle vienne d'avoir du boulot, c'est un problème pour quelqu'un. Mais tout le bonheur qui vont venir pour elle, c'est aussi un problème pour certaines personnes. Comment la jalousie peut amener les gens à faire de la sorcellerie sur la prochaine. Si c'est une mort naturelle, on va dire qu'elle repose en paix. Mais si c'est une mort occasionnée par les sorciers, que Dieu poursuive ses ennemis, on ne peut pas accepter que les enfants des gens meurent comme ça. Juste comme ça. Ah! 9 mois, c'est pas un jour. 9 fois 4. Ça fait combien de mois? Sans compter la souffrance qu'elle a eue pour pouvoir faire ses études. Ses parents ont payé ses études. Elle avait de gagner du travail. Maintenant, les parents ont dit, oh! La fille que nous avons mis à l'école, enfin, elle a gagné du tout le travail. On va la voir réussir. On va la voir être heureuse. Mais regardez ça. Comment les parents vont-ils profiter de la fille maintenant? Je vous dis clairement, il y a là dehors, même dans le monde des ténèbres, des gens qui prient contre vous, qui font de mauvaises prières contre vous. Des gens qui ne veulent pas vous voir heureux,
ou heureuse. Quand vous êtes heureux, eux sont malheureux. Oui, les sorciers c'est comme ça. Quand vous êtes heureux, eux ils sont malheureux. Donc ils veulent forcément que vous soyez dans le problème. Ou bien eux mais vont aller vous mettre dans le problème, vont vous chercher jusqu'à. C'est pourquoi Dieu nous a clairement dit dans la Bible, dans la parole, ne donnez point accès au diable. Allez toi-même là. Faut pas aller provoquer le sorcier. Faut pas l'appeler à venir dans ta vie. Parce que lui, il ne vient que pour détruire. Le démon est là-bas, ne va pas le chercher. C'est triste. C'est vraiment triste cette histoire. Dans quel état sont ses parents maintenant? Dans quel état se trouvent ses parents? Que Dieu vous aide à traverser cette épreuve, comme il a aidé Job. C'est vraiment pas facile. Ce sont des histoires que je n'aime pas raconter si sinon sont bonnes. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit vraiment, faut que je réagisse et que je bénisse Dieu quand même pour vous qui êtes encore en vie. Vous les vivants, faites attention. Faites vraiment car attention. Donnez vos vies à Jésus-Christ, donnez vos vies à Dieu. Évitez beaucoup de choses. Si vous avez l'habitude de boire de l'alcool en conduisant, arrêtez ça. Quand on dit qu'ils n'ont pas accès au diable, c'est aussi ça. Si vous avez l'habitude de fumer n'importe quoi et vous êtes au volant, arrêtez-moi ça. Si vous êtes fatigué et vous conduisez, arrêtez le véhicule, reposez-vous et reprenez la route plus tard. Ce sont des conseils qui vont vous sauver la vie. Avant de traverser la route, regardez à gauche et à droite. Ça aussi, ça va vous aider. Avant de prendre le véhicule, avant de démarrer le véhicule, vérifiez bien que tout est en bon état dans le véhicule et à l'extérieur. On ne sait jamais. Ne dites pas, oh, moi je suis un grand chauffeur. Il n'y a pas plus grand conducteur que moi dans le monde. Mon ami, reste vigilant. Même là dehors, les gens disent que le plus grand nageur est mort dans une piscine. Jean-Louis, il a nagé dans l'océan. Il n'est pas mort. Jean-Louis, il a nagé dans la lagune. Il n'est pas mort. Même dans la mer, il n'y a rien eu. Même quand il y a eu si cool, lui, il a été en vie. Mais c'était une piscine, il va aller mourir. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers qui font ça. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a deux choses qu'on va avoir ici sur. Bien sûr, abonnez-vous sur notre chaîne. Restez connectés ou encore abonnez-vous. Activez la cloche. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nuance Urban et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Bonne soirée de vous. Names Reborn.